Va chercher le seau. Tu as envie de vomir, ça s'est mal passé. Mais non, mais non. Le seau à champagne. J'ai même décroché un dîner avec l'intégrateur de compétences. Arrête. Les salauds. Ça, le coup du dîner à la maison, dans le genre pervers, c'est du haut de gamme. Je ne comprends pas. C'est un traquenard, grandeur nature. Pour éplucher votre vie sous tous les angles. Chapeau le DRH. Surtout que là, vous jouez à domicile. C'est pas un avantage. Ça dépend du domicile. Et là, je dois dire qu'on est très loin du sans-faute. Bon, je sais de quoi je parle. C'est mon métier. Image.com, ça vous dit quelque chose? Non. Voilà un client qui ne regrette pas d'être venu nous consulter. Je vais m'en occuper, moi, de votre invité. Et vous allez le réussir, votre examen de passage. Mais il y a du taf, hein. Il y a du taf. Alors ça, pour vous griller un candidat, c'est presque pire qu'un séchoir électrique qui tombe dans une baignoire. Et vous parlez de Clo-Clo, là? Puis vous, Colette, si vous me confirmez que ça n'est pas une soirée costumée, il va falloir vraiment trouver autre chose à vous mettre. C'est pas parce qu'un type de la boîte vient dîner à la maison qu'il va falloir tout changer. En tout cas, il n'a pas tort sur tout. Quand il dit que t'as fait une grosse bêtise en invitant ce type à dîner à la maison. Bah, il a surtout raison de trouver lamentable que ma femme ne soit pas capable de nourrir trois personnes. Ouais, je vais lui en mettre plein la vue à l'intégrateur de compétences. Il va pas venir nous casser les couilles à la maison. Hein. Mais remue-toi, bordel! Faut plus se contenter de faire des tours de manège. Faut décrocher la queue du Mickey maintenant. Tu sais que tu commences à me casser les couilles. Mon Dieu, vous me paniquez. Alors pas de reproche, hein, pas de reproche. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Tout va bien. Vous avez des œufs dans le frigo. Avec un peu de boursin et des flambis comme dessert, ça va être parfait. Et puis c'est quoi cette coiffure? C'est quoi? C'est coiffé comme une pute. Et mon pantalon, tu l'as repassé, mon pantalon? Non. C'est pas possible, il est 6h30, il est pas obligé d'ouvrir. Évidemment que si. Alors j'ouvre. Ouvre. Troisième étage, gauche.